trop sombre. Ouais. Okay, American Airlines. D36. Should I be on the other side or what? Okay, this is the C and the E. Okay, I have to wait for the A. Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà, je vous montre ici mes quelques jours que je passe avant mon départ. Mes quelques jours que je passe ici à Washington DC. Washington DC, c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup de souvenirs pour moi. Ce sont mes débuts. Là où j'ai commencé mes premiers pas en Amérique. Après, voilà, donc je vous montre le chemin où je vais, où j'allais à l'école. Il y a beaucoup de souvenirs, des camarades de classe que je me suis faites. En fait, je vous montrerai encore, ça c'est ma première école de langue, mais il y en avait encore une autre, il y en a la seconde, où j'ai pris plus de temps, où je suis restée un peu plus longtemps, et qui est donc à Dupont-sur-Colle. Et vraiment, je vous invite à découvrir cette belle ville qui a beaucoup de souvenirs pour moi. J'aime beaucoup Washington DC. C'est la ville politique, la capitale politique et administrative à la fois. Vous trouverez beaucoup de ONG, le FBI, la Maison Blanche, voilà quoi, tout ça. Et c'est beaucoup de souvenirs pour moi. Étant donné que je suis en voyage maintenant et que je vais me déplacer pour un bon moment hors de l'Amérique, je retourne pour le moment en terre natale. Je voulais juste partager ces moments d'émotion aux États-Unis, et j'espère vraiment que si jamais vous y allez, vous allez pouvoir découvrir le waterfront à Georgetown. Georgetown, c'est une très jolie zone poche, une zone huppée, je dirais, hein, n'est-ce pas, de Washington DC. Il y a beaucoup d'autres endroits, mais je sais juste le vlog 1, la partie 1, et je vous montrerai la partie 2 où je partagerai avec vous les moments au jardin du Basin Tidal, où on ira voir les arbres, des Blossom Cherry, Japanese cherry trees, voilà, parce que c'est une tradition ici quand les blossom trees
cherry fleurie, c'est une tradition qu'ils aiment énormément. Et je vous montrerai un peu autour après, avant mon voyage pour l'Afrique. Mais aussi, j'irai à New York City et j'espère vous faire aussi un vlog. Ce sont mes petits derniers moments pour le moment aux États-Unis. Au revoir.